Des États du Sahel, justement, encore plus près de ses populations, dans le besoin, remise de dons aux déplacés maliens ou réfugiés du Burkina Faso au Mali. Ces dons est notamment composé de vivres et de non-vivres, une initiative du gouvernement burkinabé soutenue par celui du Mali. La cérémonie de remise s'est déroulée à Faladje, en commune 6 du district de Bamako. Retrouvons le reportage de Tchemoko Konaté. Le ministre burkinabé de la solidarité, de l'action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille, au chevet des déplacés et des réfugiés en terre malienne. Une solidarité gouvernementale initiée par le président de la transition de ses pays frères, le capitaine Ibrahim Traoré. Le don est composé d'une quantité importante de vivres, de nattes et de couvertures et devra contribuer à atténuer tant soit peu les difficultés que vivent les bénéficiaires. La République sœur du Mali héberge environ 54 089 burkinabés à la date du 31 mai 2024. La délégation que je conduis est venue traduire la solidarité du gouvernement aux réfugiés burkinabés, leur apporter soutien et réconfort, et surtout saluer l'hospitalité et la fraternité du peuple malien à l'endroit de leurs frères et sœurs burkinabés. Au nom de l'ensemble des réfugiés burkinabés, nous vous remercions pour ces gestes salutaires de remise des vivres dont nous sommes bénéficiaires. Il sent l'attention que porte le Burkina Faso à l'ensemble de ses citoyens. Malgré les conditions difficiles qui ont suscité notre déplacement, nous ne sommes jamais sentis étrangers en terre malienne. Cette action humanitaire est soutenue par la partie malienne qui a elle aussi apporté une contribution. Le médecin colonel Assa Badialo Touré est donc en terrain bien connu pour avoir mené dans un passé récent une action similaire au Burkina Faso. Précision de taille, ces réfugiés ne sont pas des réfugiés, ils sont tout simplement des déplacés. Le Mali et le Burkina Faso faisant partie de l'Alliance des États du Sahel. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de la République du Mali, avec à leur tête son Excellence le colonel Assimi Goïta, le président de la transition chef de l'État, vous rassurer que nos frères burkinabés qui ont été contraints de traverser les frontières par les effets du terrorisme pour se retrouver au Mali ont quitté un quartier pour un autre. Car nos peuples aspirent désormais au seul et même destin avec la Fédération des États du Sahel. Cette remise des dons, poursuit le ministre Touré, illustre à suffisance l'excellence des liens de fraternité séculaire entre les deux pays. Parlant du retour des déplacés et des réfugiés, des actions sont en cours, rappelle son homologue du Burkina Faso, qui précise que plus de 700 000 personnes ont déjà regagné leur localité d'origine. En attendant le retour définitif de la paix et de la stabilité, l'hospitalité légionnaire restera de mise ici au Mali comme au Burkina Faso.